Alors, bonjour à tout le monde, bonjour parents, bonjour chers enfants. C'est avec beaucoup de plaisir qu'au nom du comité des fêtes de Genappe, nous vous recevons à l'occasion de cette traditionnelle chasse aux œufs organisée dans le cadre du carnaval de Genappe. Je tiens à remercier les autorités communales d'être présentes, monsieur le bourgmestre qui nous fait le plaisir d'être là, madame la conseillère Angèle Hansens, monsieur Girbout, monsieur Tubiermont, monsieur Renaud, mais le nom de famille Van Petegem, madame Burry, madame Hermans. Voilà, j'ai fait le tour. Merci à vous d'être présents. Dans quelques instants, mais on va couper ce ruban et bien sûr à tous. Vous êtes invités à participer à ce moment convivial. En parlant de moment convivial, je me permets de rappeler pour les plus grands, bien sûr, la soirée qui se déroulera aujourd'hui au complexe sportif à partir de 21h. Je crois qu'il reste quelques entrées gratuites dans les différents commerces de la ville. Je vous donne rendez-vous demain, attention, à 14h30 pour le départ du cortège au niveau du café Le Soupy, pavé Saint-Joseph. Où là, à 14h30, vous pourrez découvrir le cortège avec les Gilles, paysannes et les dames qui démarreront, qui ouvriront le cortège et puis alors toute la suite qui suivra. Cette année, étant donné que nous sommes en période scolaire, nous aurons le plaisir de recevoir les écoles de Genappe, tout réseau confondu, pour un cortège ce lundi avec un spectacle et un rondeau. Ils auront donc lors de ce spectacle les enfants qui seront présents. Je crois qu'il y en aura déjà beaucoup qui seront là, qui sont là aujourd'hui et qui seront là encore lundi. Ce sera un spectacle de magie. Et je crois que Merlin l'Enchanteur ne sera pas loin. Alors, dans la soirée, le lundi, le feu d'artifice qui se tirera ici même. Il sera animé au son des tambours et de la musique des Gilles. Ici, ils feront un rondeau, donc ce qui mêlera le plaisir des yeux et le plaisir des oreilles. Voilà, ça c'est pour le programme. Je crois que cette année, le programme, il était vraiment bien fourni. Alors, avant de couper le ruban, je rappelle quelques règles. Alors, les enfants, écoutez-moi bien. Donc, la première partie, quand vous rentrez ici directement, vous tournez là, ça c'est pour les enfants jusque 5 ans. Et tout droit, iront les enfants à partir de 6 ans. Au besoin, si le panier n'est pas assez achalandé, les personnages qui se trouvent ici se feront un plaisir de le compléter. Et pour la partie pour les plus grands, là, nous vous demandons de laisser les enfants seuls. Ils sont donc, il y a le balisage qui est prévu. Vous pouvez aller sur les côtés sans aucun problème, mais laissez les enfants ramasser seuls. Donc 5 ans les parents, ok. Mais pour les 6 ans, vous attendez un petit peu, vous les laissez aller tout seul. Voilà. Je crois qu'on ne saura pas couper le ruban cette année. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que oui, mais est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc, 5 ans, jusque 5 ans. Est-ce que vous avez un panier? Est-ce que vous êtes prêts à les remplir? Monsieur le bourgmestre, on fait le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Sacha, ici moi.
Allons-y, allons-y, come on.